En effet, c'est durant ce même mois de novembre qu'il va prendre la forme que l'on connaît actuellement lorsqu'il rencontre Chimps. Tu veux dire Doge ? Pas vraiment. Chimps est l'image d'un Shiba, une race de chiens japonais connue dans la mémosphère pour nous avoir offert en 2013 ce bon vieux Doge, dont Chimps est justement une variante. À l'origine postée sur Instagram par Boldzy, l'image de ce gros Shiba oisif avec sourire en coin fut détourée et intégrée dans une petite histoire par Spicy Meme Boy le 8 juin 2019 sur Reddit. L'histoire en question met en scène Doge et sa copine mangeant des cheeseburgers dans un parc, avant que cette dernière ne se fasse dévorer par ce glouton de Chimps. Sa principale caractéristique est qu'il adore un peu trop les cheeseburgers, qu'il prononce d'ailleurs Chimps Burger, unique mot de son vocabulaire qu'il utilise en particulier avant de dévorer quelque chose. Encore un qui a des problèmes d'élocution. Il peut aussi être roublard et très violent. Il peut arriver qu'il soit un peu plus bavard, et dans ce cas, il rajoutera des M un peu partout dans ses mots. Comme la base de l'intégralité de l'humour de Jamel Debbouze. Il deviendra rapidement très populaire dans le Doge lore sur Reddit, à tel point que les Redditors commencèrent à lui vouer un culte. Sur le wiki dédié à l'univers de ces Shiba, il est décrit comme un anti-Doge, une entité omnipotente, démoniaque. Il aurait même la capacité de se métamorphoser en cheeseburger. L'ultime étape du fétichisme. Dans un premier temps, il fut associé avec l'émoticône de la prière, probablement toujours sur Reddit, comme on peut le voir dans ce post daté du 5 novembre. Date à laquelle le Dorime commence à envahir le net comme on l'a vu précédemment. Oh mon dieu, tout est lié! La trace la plus ancienne du mashup avec Ameno remonterait au 12 novembre sur la chaîne de Canyon Maggi. Mais on peut rien affirmer. En effet, le format de la vidéo nous laisse penser qu'elle a été publiée en première instance sur un autre réseau social. Genre Instagram, TikTok ou même un Discord.